Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on va faire un petit nid de frelons dans une cheminée. Voilà, c'est des charpentiers qui m'ont appelé pour. Ils sont en train de refaire le toit, regardez. Voilà, ils sont en train de refaire le toit. Voilà la société. Donc, on va aller voir ça, le nid de frelons, il est dans une cheminée. Et on va traiter ça. C'est un nid, c'est simple, hein, dans une cheminée, c'est classique, hein, ça arrive souvent. Donc là, ils sont en train de recouvrir le toit parce que comme je vais traiter sur la cheminée, ils ne vont pas pouvoir travailler aujourd'hui. Vous comprenez bien qu'il va y avoir beaucoup de frelons. Donc j'attends un petit peu qu'ils remettent une bâche parce que vous avez vu le temps, les nuages sont gris, ça risque de pleuvoir. Voilà. Donc, dès qu'ils ont fini, je vous montre ça. Pendant ce temps, je vais vous montrer où est la cheminée. On va la voir depuis le fond du jardin. Elle est juste là. Bon, les Dédé, pas de chance. Encore retardé à cause de livraison. Donc, il faut attendre que la livraison se fasse, qu'ils finissent de couvrir le toit. Et après, c'est prêt pour le combat. J'en ai marre d'attendre. Prêt pour le combat. Ça va chier. Allez, c'est parti. Franchement, j'aurais jamais dû faire ça. Tu vas avoir des commentaires, mon gars, sur YouTube. On va te défoncer. Je le fais à toutes mes vidéos, ça, prêt pour le combat. Ouais, mais pas avec les du guignol. Là. Avec les du guignol, là, ça te trompe. Attends, je vais aller voir, moi. Derrière. Allez, c'est parti. Voilà, tu verras. Ah, tu pouvais faire à 22 mètres. Alors regardez, ils ont refait le toit un petit peu pour arrêter le chantier. Voilà. Bon Matt, elle est pour toi la vidéo. On s'approche de la cheminée. Ouais. On va enlever le chapeau. Allez, je vous montre ça. Deuxième couche. Bon, regardez les Dédés. On va essayer de faire un petit trou pour pouvoir mettre la poudre. Vous voyez les Dédés, il n'y a pas grand monde. Le nid pourtant est pas mal. Mais assez profond. Donc là j'attends de voir s'il y a des frelons blancs qui remontent. Donc avec la fumée on voit pas trop.
quelques petites attaques. Bon, ça remonte un peu. On va essayer de mettre un peu profondeur. La difficulté d'un frelon européen dans une cheminée, c'est qu'on ne connaît pas la profondeur du nid. Donc quand on traite, on va traiter par-dessus. Et automatiquement, il faut essayer de percer pour envoyer de la poudre le plus loin possible. Et à mon avis, celui-là, il est pas mal. Parce que j'entends du monde dedans. Mais ça sort pas. Il a l'air gros, il a l'air gros, il a l'air gros. Il est vraiment profond, profond. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça a l'air de sortir, c'est pas mal. Ouais. Là il y a la reine, juste là, et un autre qui essaie de tuer la reine. Allez, on remet le capuchon. Allez, l'intervention est finie. Essayer de ressortir. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que Matt t'a bien rigolé. Eh, tu t'attendais pas à ça. Voilà, c'était la petite surprise. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les Dédés.